dans la baie de Morlaix. Et là, on a un bon créneau. On va enfin pouvoir naviguer au large, c'est-à-dire que le vent viendra de derrière. Ce sera plus agréable au niveau de la navigation. Là, il y a quand même pas mal de vent. Je crois qu'il y a 3 mètres de houle au large. Et on a Boris, un invité allemand. Je vais apprendre un peu le surf.
Bon, mon hachoir. Allez, les à gars. À bientôt, Boris. Merci pour la petite pointe de hier. Je vous présente Capucine, notre nouvelle stagiaire. Qui a quand même traversé l'Atlantique sur le Taratari. C'est un bateau qui vient du Bangladesh, c'est ça? Et qui est entièrement fait en toile de jute. Et du coup, on a remplacé Boris, le hachoir, par Capucine. D'où le petit pain au choc, le petit croissant du matin. Le Capucine nous a ramené d'ailleurs, c'était sympa. Bah là, on part de Paimpol. Une météo très clémente, avec un vent portant de secteur sud-ouest annoncé toute la journée. Et on est parti pour 10 heures de navigation pour rejoindre Saint-Malo. Eh, t'as vu le marin? On est à Saint-Malo, on est en speed à la bourre grave parce que y a une c'est une écluse que en fait on vient d'appeler le mec qui gère l'écluse là. Et en gros le mec t'a dit qu'on a 3 minutes pour arriver, du coup on vient d'affaler le plus vite possible la grande voile, on s'est mis au moteur parce que si jamais on passe pas l'écluse en 3 minutes on est bon pour rester ici toute la nuit. Bah, du coup là on va vers Rennes et d'après nos calculs si on est bien avec les écluses et tout le 21 à la fête de la musique, on va faire la fête avec les Rennais. Voilà. Dans la base, c'est temps de mettre le moteur. S'il veut bien. Ouais, c'est super parce que t'as des bonnes sensations, tu vas vite, tu vas bien et c'est tout en l'un. Et c'est tout dans la bonne humeur, donc c'est chouette, puis la Bretagne c'est beau. Je vais nager comme Martin Strill, c'est un Slovénien, et c'est le mec qui c'est River, c'est Big Riverman qui s'appelle. Et le mec a traversé la dernière fois toute l'Amazonie. J'arrive pas à faire mon bout. D'appel parce que j'arrive avec un trimaran dans pas très longtemps à l'écluse. Je voulais savoir si c'était ouvert, si on pouvait passer. Filme pas que je suis en jogging. T'assumes ton jogging pourri, mec. Que dalle. Y'a personne. Salut, je m'appelle Aurel Jacob. And I'm gonna to do what no man has ever done. Swim sous le canal Manche-Océan avec un tricat à la hanche. En tracté.
Ouais. De remettre le mât, on est à Redon et après avoir traversé tout le canal sans mât, ce qui était sympa, mais là on va pouvoir remettre les voiles et avancer un peu plus vite. Tour de Bretagne, j'ai versé ma petite larme, on est dans le golfe du Morbihan, j'ai la voix qui dérive, je suis ému comme ça, c'est... et on arrive à Radon, le point de départ, dans l'épisode 1 d'ailleurs on voit Antoine Houdet qui nous dépose dans Zodiac, voilà c'est validé, voilà, on va pouvoir aller au Salomon maintenant, si on a des sous, et l'arc, voilà on est arrivé, voilà, fin de l'aventure, bretonne. Tu te sens prêt pour partir dans des contrées lointaines? Ouais, avec le modèle de bateau au-dessus. On va faire un gros éco-conçu maintenant. Alors, tu veux notre base? Non, je veux notre chaise. Ah, mec. Qu'elle est en 8, hein. Vas-y. C'est pas très compliqué. Il sert à bloquer le bout, tu vois, s'il était coupé là, il fallait faire un en 8 là pour éviter qu'il sorte. Ah ouais, d'accord. Quoi. Et du coup, tu prends ta boucle comme ça. Ouais. Tu fais un 8. Tu vois, ça fait un 8. Ouais. Et tu repasses dedans, tout simplement. Voilà. C'est tout? C'est ça. Ouais. Un en 8. Simple, hein? Ah ouais. Faut que tu me le refasses après. Non. Pas en direct. Un peu d'entraînement à soi. Et notre chaise alors. Notre chaise. Attends, je calme les petits fagnons. Ouais. Comment ça s'appelle? Non, les petits penons. Petons. Les petons? Les petons. Les petons? Ouais, les petons. Les tétons. Putain mais les gars si vous m'apprenez que des mots de merde à chaque fois moi je vais. Non, c'est penon. C'est perdu. Notre chaise? Vas-y. T'es prêt? T'es prêt toi? Ah ouais. Je suis pas sûr que tu le maîtrises tant que ça. Bien, hein. Tu vas voir. Alors regarde. C'est un très bon moyen mémotechnique. Je te raconte une petite histoire. Voilà. Je t'écoute. C'est le serpent qui vole. Le serpent. Alors, déjà il faut faire le puits. C'est par-dessus. Fais ça pour que ça passe dessus. Et ça c'est le ton nœud en fait il va être là. Et la boucle elle va être là. Donc le petit serpent sort du puits, fait le tour de notre arbre ici, par dessous. C'est qui a pondu cette histoire? C'est moi. Et après, hop, il rentre dans le puits. Et ça te fait un nœud. Un nœud de chaise. Et l'intérêt du nœud de chaise, c'est qu'il est coulissant. C'est que tu peux tirer comme un bourrin. Ah ouais. Et après, t'as plus qu'à. Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Tire sur le puits en fait. Voilà. Magique. Formidable. Allez, Nono. Non, je sais ça tout à l'heure. T'as si, toi. Je te prends là-bas. Allez. Tiens. Je prends ma place. Oh, c'est bon. Moi, on prend ma place. J'ai la goutte des deux. Alors. On coupera tout au montage, ouais. Hein, si je me plante. Je fais mon petit puits. Ça. Ouais. Ensuite, il faut que tu prennes large là, parce que ça va être ta boucle. Je fais un gros puits. Non, un petit. Ouais, fais un petit puits. Encore. Voilà. Je fais un petit puits. Voilà, alors. Ton petit serpent. J'ai un gros serpent par contre. Ouais. Je le fais sortir du puits. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, tiens, tiens. Il fait beau. Enfin, presque. Ensuite. Non, attends, je suis perdu. Oh là attends, là. Alors, je ne change rien. Alors ton arbre il est où? Clac, je passe derrière l'arbre. C'est vrai que c'est un peu galère. Hop. Attends, bouge pas, hein, je tricote. S'occupe pas à naviguer un peu. Hein. Ah ouais, ouais. Donc, une fois là, je repasse par en dessous l'arbre. Oh, il pêche, il navigue pas. C'est clair. Je repasse en dessous l'arbre. Ouais, très bien. Et une fois que je passe en dessous l'arbre, je refasse passer dans le puits. Dans le puits? Ouais. Dans le puits là? Non, ici. Le petit puits.
Ah, dans le tout petit puits. Ouais. D'accord. Et ça fait la bonne. Oh là là, oh là là là. Regarde ça. Attends, j'ai pas suivi la fin comme d'hab. Vas-y, recommence. Ok, je prends le puits est là, le serpent est là, le serpent sort de derrière l'arbre. Et une fois qu'il est... En fait, c'est ça ta boucle. Ah, c'est voilà. Ça. Ah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la boucle, ouais. Elle est là-dessus. Et là, tu remets tout le serpent dans ton puits. Dans celui-là. Voilà. Et là, tu prends ta boucle. Ouais, en fait, je comprends. Et tu tires... Non, 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 c'est la boucle, en fait. Voilà. Et celui-là. Voilà. Bravo, Nono. Bravo. Deuxième notre chaise de ta life.